Yo, salut tout le monde, c'est Camille pour l'épisode numéro 67 de Final Fantasy 7. Je crois qu'on est au 67. On a fait tellement d'épisodes. Et oui, bah, y a plus de musique pour rien, ouais. Là, dans le jeu, il calme. Tout le monde est parti. Voilà, il est 13h37, nous sommes toujours le 26 septembre 2014. Oui, je fais une grosse session. J'ai vraiment envie d'y jouer, je continue, je suis au taquet. Nous n'avons pas de maison et personne à voir. Voilà, donc là on est parti pour les souvenirs. Désolé, j'ai un petit peu mal à la gorge. C'est vrai. Mais je pense qu'un jour ils reviendront, tu ne penses pas? Je me demande. Chacun a quelque chose d'unique auquel il tient. Mais cette fois, notre adversaire. Mais ça va. Même si personne ne revient, du moment que je suis avec toi, du moment que tu es à mes côtés, je ne renoncerai pas, même si j'ai peur. Tifa. Nous sommes peut-être proches maintenant, mais auparavant nous étions très distants. Mais quand nous étions dans la rivière de la vie, entourés par tous ces hurlements de terreur, j'ai pu entendre ta voix. Tu te souviens sûrement de tout. Tu te souviens sûrement pas de ça? Au plus profond de moi-même, je t'ai entendu dire mon nom. Du moins, c'est ce que j'ai cru. Oui, je t'ai entendu m'appeler à ce moment-là. Tu me priais de revenir du flux de conscience dans la rivière de la vie. Après tout, j'ai fait une promesse. J'ai promis qu'il ne t'a que s'il t'arrivait quelque chose, je serais là pour t'aider. Cloud, tu crois que les astres nous écoutent? Tu crois qu'ils voient à quel point nous nous battons pour eux? Je ne sais pas, mais qu'ils nous écoutent ou non, nous devons faire notre possible et avoir confiance en nous-mêmes. C'est ce que tu m'as appris quand j'étais dans la rivière de la vie. Oui, tu as raison. Tifa, il y a beaucoup de choses dont je voulais te parler. Mais maintenant que nous sommes ensemble, je ne sais pas vraiment quoi dire. Ne dis rien. Cloud, il n'y a pas que les morts. Le jour se lève. Quoi? Pardon, se réveille. Le jour se lève, tu parles. Bon. Bonjour, Cloud. Laisse-moi encore un peu de temps. Retrouverons-nous un jour comme celui-ci? Laisse-moi savourer ce moment. Si tu veux. C'est probablement le dernier moment que nous passerons ensemble. On devrait partir. Mais je... Ça va, Tifa, tu l'as dit toi-même hier. Au moins, nous pourrons y aller ensemble. Oui, c'est ça. D'accord, allons-y. D'accord, allons-y. L'aérostat est trop grand pour nous deux, mais c'est un peu vide sans les autres. Ne t'inquiète pas, tu t'iras bien. Je ferai assez de chahut. D'ailleurs, je suis pilote.
Plus de questions de piloter au hasard comme avant. Nous n'aurons pas le temps de nous sentir seuls. Ça bouge. Tout le monde est là, non? Tout le monde a trouvé une raison, je suis sûr. Katie, déjà. Oh oui. Pas tout le monde. Barrette, Sid. Oh, ça va? Bon, je 13. Pourquoi ne m'as-tu rien? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Mais tu sais bien. Mais tu sais bien, Sid. Hé, hey, Rouge 13. Hé, hey, Rouge 13. Si tu interviens dans la conversation, tu ne sauras jamais ce qu'ils vont dire. Tu regardais. Mais te mets pas comme ça. Vincent. Pourquoi un regard aussi énigmatique? Tu ne veux pas venir? Non, c'est juste que tu es toujours si indifférent, je croyais que tu te moquais de ce qui se passait. Calme. Je crois que je suis comme ça, excuse-moi. Oh la vache! Hé, hey, regarde ça, le directeur de la Chine est revenu! Excuse-moi, mais je voulais venir avec le groupe principal. Je ne pouvais pas partir. Et les chances de militaires m'ont accueilli. Je sais que je suis basé comme un animal empaillé, mais je ne pourrais rien dire. Je suppose que tout le monde est là. Bah non, il manque déjà une fille. Non, il manque une fille. Elle ne viendra pas, au moins. Cette fois, elle n'a pas volé notre matériel. Je suppose que nous devrions la remercier. Comment peux-tu dire ça? Je suis venu jusqu'ici malgré un terrible mal de mer. Je n'ai pas enduré tout ça pour vous voir tous réserver la part du coup. Bienvenue, Goofy. Claire, c'est gentil à toi. Toi, malade? Eh bien, peu importe, je serai dans le hall à la place qui m'est réservée. J'attendrai. Yeah. Je ne sais pas faire des relents féminins. Merci à tous. Nous ne sommes pas revenus pour toi, tête de l'air. Nous sommes revenus pour Marlène. Je suppose que c'est juste mes... Comment tu appelles ça? Sentiments ou quelque chose comme ça. Je trouve plus les mots. Bien qu'elle ne soit pas là, elle nous a laissé une chance. Ouais. Nous ne pouvons pas la laisser partir comme ça. Aéris. Elle souriait jusqu'à la fin. Nous devons faire quelque chose, ce sourire sera, se figera jamais. Allons-y tous ensemble. La volonté de Iris. Elle aurait dû retourner à la planète, mais quelque chose l'a arrêté. Il faut laisser tomber la mémoire d'Iris. Quelqu'un a changé d'avis? Je compte sur toi, Sim. Ouais. Il y a Delevier qui commence à me taper sur les nerfs. Laisse-moi essayer. Ben, alors que dois-je faire? À toi de décider, Cloud. C'est notre dernière bataille. Notre cible est la Grotte Nord. Notre ennemi est Zephyroth. Alors, retirons-nous. Oh, oh, oh. Oh le mouvement! C'est quoi qui est tombé? Nous sommes presque arrivés à la grotte d'or! Nous sommes en route, Zephyroth! Mon ami, je vais coincer! Qu'est-ce que c'est, Sid? Ah, une force incroyable! Merde, de contrôle! Allez, sortez de là! Ne vous ai-je pas demandé de rentrer chez vous? Oui, c'est notre premier temps! Oh, arrête de la jouer cool! Très bien, farceur, gardez-moi tout ça pour... gardez-moi tout ce que vous savez! Ce que vous avez!
Yeah, all aboard! Fin de la deuxième partie. Oh oui! Fin du CD2, voilà, c'est bien ce que tu dis. 32 heures. 32, oh la vache! Oui, j'ai. Oh! Sympa le moment. Tu peux pas lui dire quelque chose avant? Prends soin de toi. J'ai qui avec moi? Même groupe, très bien, parfait. C'est par là. Apparemment, la seule solution, c'est de descendre en glissant. D'accord. Je crois qu'on est prêt. Hein. J'ai regardé vite fait, mais... Cristal souffle. Ah putain, j'allais dire c'est cool, y a pas de combat. Bam, allez cadeau, bisous. Ah j'aurais pas dû attaquer l'autre. J'ai fait un peu vite mais. D'accord. Ah putain! Ah ouais! 3008, faible face avant, d'accord. Les pouvoirs sacrés. 3008, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Ah la vache! Ah les coquins! 2002. Oh personne! Putain, Tifa, t'es pas passé loin. Un remède. Alors. C'est par là. Bon bah écoute, je suis désolé mais tu prends une contre-taillette dans la gueule hein. Raté ? Zéro, d'accord, bah 100 alors. Gargouille. 2000. D'accord, t'as juste blindé le premier tour. Putain, c'est un truc pour nous faire perdre du mana en soirée. Ça va vous devoir une section. Sentir, level up. Source protection. Sans fin. Alors j'en remets tout le monde full juste après ce combat là. Bonne garde, tiens. Allez, on va attaquer avant. Tu nous guéris. Voilà. Ça fait que 2000. Oh. Ouais, ça va. Voilà.
Ah, enculé. Ah, d'accord. Ça va, c'est cool. Putain, ça me fait penser à... Pour créer un point... T'as le champ dans le grand nord. Ah. Bon bah... Forcément, je joue à l'économie, donc je l'ai jamais utilisé. Pour grimper, sur OK. Sur ce pouvoir. Elixir. Oh. Zéro, d'accord, donc pas d'élect. Dragon noir, putain. 12K, putain. Bah, c'est du feu. Ultima, mange-toi l'ultima. J'ai raté la deuxième fois. Mais j'ai raté. Allez, du feu. Oh putain. Oh putain, petit choix qu'elle ramasse déjà. À comparer aux autres, quoi. Pardon. Désolé. Ah, je suis... Oh triste, putain, qu'est-ce qu'il y a de tristesse. Comment on va là? Ah d'accord, absorption HP. Alors... Non... Feu 2... Et là c'est une laisse 3. Allez, on va y aller. Absorption HP. Je vais mettre ça. Absorption HP. Oh, c'est chiant ces combats, sérieux. Oh. Oh la vache, il mange en plus. Oh putain. Ouais.
Oh la vache, Cloud a mangé. Que Phoenix. Putain. Qu'est-ce que j'avais en masse ici? Ah mais ouais, non. Magie. Non. Limite. On peut pas. Une voiture. Putain. Ah, on va les changer, c'est vrai que j'ai jamais pensé à ça, c'est bien. Pluie de météores. Oh. Ouais, on l'a jamais fait. Bon, il était temps que je le fasse. Bah, il est mort, je me souviens. Ok. Ben, c'est comme ça pour l'instant. J'étais allé à droite. Putain, ça m'a fait bouffer le truc. Oh, mais ta gueule! Ta merde, va chier, merde! Ah oui, c'est vrai, c'est 12 calmes. Oh merde! J'ai pas eu le temps d'utiliser mon sang. C'est pas grave. Restaurer. Bon. Source de magie. Eh bien, moi je vais m'arrêter là pour l'épisode. Oui, l'épisode 67 est terminé. Je vous donne rendez-vous cet après-midi pour l'épisode 68. Allez, ciao tout le monde! Pousse!